Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 73 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Trackmania 2 Canyon. Donc c'est la suite directe des Trackmania United Forever. Trackmania United Forever, faut pas oublier le nom. Donc voilà, on a toujours notre profil. Donc on a toujours l'éditeur, on a toujours le jeu local. Alors attendez, le profil. Je vais essayer de changer. On va mettre Sylvanus. Non, ouais. Non, ça a pas marché, bon tant pis. C'est pas très grave. Alors, on va. Donc le jeu local, on va faire une map unique. Donc vous voyez, c'est pas totalement pareil que les autres. Maintenant c'est des dossiers. Des dossiers de map dans lesquels on choisit notre map. Donc on va choisir celle. On va prendre en blanc. Non. On va essayer de la map dure ou pas. Ou de la map pas dure. On va prendre. Allez. White, blanc, voilà, c'est en anglais. On va prendre celle-là, je pense. Allez, c'est parti, on va y jouer. Donc le chargement de la map, les commandes qui sont affichées ici, donc devant, dans le décor. Donc on voit d'ailleurs le background qui est très joli. Et qui nous montre qu'on va changer radicalement de terrain par rapport à tout ce qui était Trackmania United. Et Trackmania Forever. Donc voilà, allez. Ah là, c'est bon, donc on a l'aperçu, c'est parti. Donc on, il nous montre un peu le début du terrain, il nous montre pas le terrain en entier, c'est bizarre. Voilà, donc c'est parti, 3, 2, 1, et on est parti. Donc tout de suite on remarque qu'on a de la grosse voiture, c'est plus de la petite voiture de F1, c'est des grosses voitures avec des moteurs, bah, toujours aussi petites et toujours aussi, j'allais dire, sensibles au niveau de la direction. Donc là c'est des courses qui vont pas être très, très dures puisqu'on est en parcours blanc. C'est limite tout droit quoi. Hop là. Donc là ça tourne et j'ai pas calculé le virage assez bien. Et l'arrivée doit être là-bas. Voilà le finish. Il est là. Donc j'ai fait un temps assez pourri. Voilà, j'ai une médaille de bronze. Enfin, le score bronze. Donc, on retourne map unique, on va faire une autre. En parcours blanc. Voilà, on va prendre celle-là. Allez. Je prends un peu au hasard. Hein. Je les connais absolument pas, ces maps-là. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis planté, d'ailleurs misérablement sur là. Allez. 3, 2, 1. On est parti. Donc ça charge assez vite, c'est plutôt sympa. Les graphismes, hein, ils sont un peu mieux. Hein, vu que là, on est quand même sur du. Sur du canyon, comme d'où le nom du jeu, c'est-à-dire du vrai décor de paysage. Et là, j'atterris à côté, on recommence au checkpoint avant. Alors que si vous regardez les autres Trackmania, bah c'est de la piste, il n'y avait pas tellement de décor autour, on n'avait pas forcément des grosses voitures. Si vous regardez le United Forever, on avait des voitures différentes, mais c'était pas non plus ce genre de voiture-là. Allez, presque, non! Allez, oui. Allez, atterris sur tes roues. Mais bon. J'ai atterri sur mes roues. C'est magnifique. Bon, c'est pas le meilleur atterrissage du monde, mais c'était pas mal. Alors, où c'est qu'on doit aller? Où c'est qu'on doit aller? Oh merde, 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 c'était à droite. Voilà, je me suis planté. Alors. On va reprendre ça. Je crois bien que c'était à droite qu'il fallait aller. Regardez. Je suis pas sûr. Parce que ça faisait évidemment un tremplin. Ah, donc j'ai ratterri ici. Cette fois-ci j'atterris correctement, voilà, dans la route. C'est déjà un bon début. J'atterris sur la route. Alors merde. Ah non, non, c'était là-bas. Donc là il y avait une barrière, d'accord. Regardez, il y a un trottoir. Donc voilà, donc c'était pour voir, mais c'était bien à droite qu'il fallait que j'aille. Là-bas. Ici. La ligne d'arrivée est là. Voilà. On va le reprendre. C'est correct. Ah bah du coup on a repris ici, c'est pas mal. Ah non, non, c'est absolument... Voilà, j'allais dire incontrôlable sur du sable comme ça. Alors, on va avoir une autre course. Alors, map unique. Donc on remonte dans les dossiers, on va prendre un peu plus dur. Allez, on joue. Mania Planète.
Allez, c'est parti. Donc là, ça va être un tout petit peu plus dur, je pense. Ouh là là, déjà la route, elle est limite les bords, hein, et du sable de partout autour. Il y a moyen de faire des sorties de route de partout, comme ça, de se taper des bords. Alors, on a toujours la même voiture d'ailleurs, je pense qu'on peut la customiser dans l'éditeur, comme on pouvait dans les autres Trackmania, je pense qu'on peut la customiser comme on veut. Là, j'ai sorti de la route, vous voyez, mais je suis re-rentré quand même. Voilà, c'est pas très compliqué pour l'instant, ça va tourner. Ah, ça tourne. Ah, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Un checkpoint, donc c'est assez spécial. Le terrain est spécial. Oh non! On recommence. Je suis sorti carrément à partir du moment où vous passez là derrière. Hop, voilà. Je reste dans la route. Voilà. La voiture, on voit qu'elle a pris des dégâts et qu'elle a pris aussi du sable. Vous avez vu, ça reste sur la voiture. Donc on peut peut-être détruire la voiture, je ne sais pas. En tout cas, on peut bien la salir, c'est déjà pas mal. Alors, les autres terrains, on va prendre un peu plus dur encore. On va essayer de prendre un poil plus dur pour montrer un peu les différents niveaux de difficulté, même si vous savez à peu près, voilà. En quoi ça consiste Trackmania? C'est difficile, vous avez des plateformes de partout, vous en sortez plus. Là, je le sens bien que ça va être quelque chose de dingue. Donc déjà, bon là ça va. Là ça va. Il suffirait que j'arrive à tourner et ça ira bien. Je prenne le virage là, mais il est un peu. Hein, il faut le prendre bien serré parce que sinon là vous faites avoir. Non 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 non. Ah, je vois, il faut ralentir, je pense qu'il fallait ralentir parce que là, c'est pas possible de le passer en une fois. En même temps, bah, je suis du genre à appuyer tout le temps sur l'accélérateur. Alors. Donc là, on suit la flèche. Il y a la flèche là-bas qui nous dit où il faut aller. Heureusement, parce que sinon, on se taperait pas mal de murs. Là, flèche verte, il faut aller là. Il y a des sauts toutes les 2 secondes. Déjà, si vous perdez trop de vitesse, vous n'arrivez pas à sauter. Regardez ça. C'est limite limite. Si j'ai pas assez de vitesse, je me vote. Attention, là c'est au milieu. Oh, non non, pourquoi elle se tourne ma voiture? Oh. Ah, c'est joli quand même. Elle s'est tournée? Pourquoi? J'ai pas compris. Alors on va espérer qu'elle atterrisse sur les 4 roues. Voilà, on peut continuer. C'est parti. Et l'arrivée, elle est où? Attention là-bas. Hop. Ah, ça c'est un truc qui tourne. Non, 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 je suis mal atterri. Ou ma voiture, elle arrivera pas au bout. Et attention. Est-ce que j'atterris droit? Oui. Allez, bah, c'est parti. Hein. Sans on va pas essayer de faire un temps, ça sert à rien. Hein. C'est déjà mort depuis un moment. Voilà. L'arrivée était là. Alors, combien je fais? Non, j'ai pas fait de médaille. Bon, bah, voilà. C'est dit. Donc voilà, ce sera tout pour Trackmania 2 Canyon. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.